On va prendre Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Donc, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Donc ici nous voyons que la Sainte Cène nous est recommandée. Et ce matin, j'aimerais vous exhorter donc à la prendre, à être prêt à la prendre. C'est une alliance que nous faisons avec Dieu, que nous renouvelons à chaque fois que nous la prenons, et nous savons que Jésus nous l'a recommandé jusqu'à qu'il revienne. Lui, il l'a pris juste avant sa mort, et il a dit qu'il ne la reprendrait pas jusqu'à que nous soyons de nouveau avec lui le jour où il reviendra donc, à son avènement, nous allons le chercher. J'aimerais dire que le vin que nous prenons, c'est le sang de Jésus. Jésus, il a donné son sang pour chacun d'entre nous. Il est mort pour nous à la croix, ça n'a pas été facile pour lui de donner sa vie. Mais il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous voulons l'honorer en prenant cette coupe et ce pain, en symbole de cette alliance que nous faisons avec lui pour cette nouvelle semaine. Et si nous avons péché, nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés que nous avons pu commettre. Si nous avons également perdu du terrain avec Christ, nous voulons également reprendre ce terrain. Et j'aimerais insister sur le fait que depuis le début d'année, Dieu nous a parlé à plusieurs reprises. Également cette semaine, il m'a parlé à moi personnellement. Et j'aimerais dire que tous ceux qui ont perdu du terrain avec Dieu, cette année, je pense que c'est une année pour le reconquérir. Reprendre ce que peut-être tu as laissé de côté, reprendre ce que tu as mis de côté ou que le diable t'a volé. J'aimerais que ce matin, nous reprenions ce que nous avons perdu. Que ce soit aussi les temps de prière, des fois nous négligeons les temps de prière ou les temps de lecture. Et vraiment ce matin, j'aimerais dire que nous devons vraiment chercher sa face, parce que je pense que c'est la chose la plus importante dans les temps que nous sommes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, il suffit de regarder les infos, de regarder autour de nous, mais je pense que vraiment Dieu, il a quelque chose pour chacun ce matin, et j'aimerais qu'ensemble on puisse prendre ce pain et ce vin. Et j'appellerai mamie, si elle veut bien venir faire la Sainte Cène avec moi. Pour ce vin que tu nous donnes. Merci que représentons ça, Seigneur Jésus-Christ. Il faut te remercier pour toutes choses parce que c'est toi qui as laissé couler le sang à la croix de Golgotha pour nos pécheurs. Et Seigneur, je le demande pour tous, pardon pour tous les péchés qu'on a commis et je sais que tu nous pardonnes. À toi soit la gloire et l'honneur pour toujours. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce pain également que tu nous donnes, Seigneur, et pour cette Sainte Cène. Je te demande, Seigneur, qu'elle soit en bénédiction, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et que, Seigneur, tu effaces tous nos péchés. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos négligements envers toi, Seigneur, tous nos péchés, Seigneur, que nous avons pu commettre. Et nous voulons vraiment refaire une alliance, Seigneur, une alliance nouvelle avec toi. Et que tu puisses nous bénir à travers de cette alliance. Au nom de Jésus. Amen. Un instant, nous allons encore prier Dieu. Pendant ce temps où tu fais un pacte avec Dieu. Cette semaine, nous avons reçu
un email d'un pasteur en Inde. Et il nous écrivait que le bébé de sa secrétaire était entre la vie et la mort parce qu'il avait les reins qui commençaient à fondre. Les intestins qui commençaient à fondre, pas les reins, les intestins. Et il nous a demandé la prière, amen. Et ce matin, nous voulons prier aussi pour ce bébé. Il a 15 mois. Et nous voulons demander à Dieu aussi, pendant ce temps, nous faisons une alliance avec lui, qu'il puisse toucher ce bébé là où il est en Inde. Amen. Les docteurs ne donnent pas cher de sa vie, mais nous voulons prier et nous voulons croire que Dieu opère un miracle en cet instant. Amen. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Nous venons devant le trône de ta grâce et Seigneur, nous voulons te remettre ce bébé, Seigneur. Ce bébé en Inde, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, proclamer ta bénédiction, ta guérison et ta grâce sur sa vie, Seigneur. Seigneur, là où il est en Inde, Seigneur, nous voulons réprimer sur sa vie tout esprit d'infirmité, Seigneur. Tout esprit de la maladie, là où le diable voulait détruire cet enfant, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier en tant qu'Église et nous voulons, Seigneur, demander la grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons demander la grâce pour cet enfant, Seigneur. Nous voulons également prier pour le pasteur Ramarao là-bas en Inde. Et nous te demandons de le bénir, Seigneur, de le fortifier et de l'encourager en voyant ta grâce qui se manifeste dans sa vie, dans son église là-bas, Seigneur, à travers ce petit enfant. Nous voulons vraiment te demander une grâce particulière. Et Seigneur, ce matin, nous voulons renouveler le pacte avec toi, Seigneur. Un pacte, Seigneur, qui va en définir pour l'éternité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi, tu es le Dieu de la grâce, toi, tu es le Dieu du réconfort, et toi, tu es le Dieu de l'accomplissement. Et Seigneur, tu as déclaré tout ce que vous demandez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cet enfant, nous croyons que ce que nous te demandons, tu es grand et fidèle pour l'accomplir. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour la vie de cet enfant que tu sauves encore. Nous voulons te remercier pour les nouvelles que nous allons entendre. Seigneur, merci que nous avons pu prendre part à ton royaume par le biais de cette sainte scène, Seigneur, et que pendant cet instant, Seigneur, tu nous as renouvelés. Seigneur, que ce pacte, Seigneur, cette alliance que nous avons accomplie avec toi, soit un renouvellement, Seigneur. Un renouvellement, un réengagement, Seigneur. Un renouveau de l'alliance, Seigneur. Un renouveau de l'alliance pour la gloire de ton nom. Seigneur, et que cette alliance soit une alliance qui soit éternelle, dans laquelle, Seigneur, nous te rappelons, malgré, Seigneur, les instants, malgré les moments qui sont pu passer, Seigneur, nous sommes toujours là et nous sommes toujours fidèles pour toi. Voilà l'impact de cette alliance, voilà l'impact de ta grâce. Nous voulons réellement, Seigneur, te bénir, nous voulons, Seigneur, réellement t'exalter et te glorifier. À toi revienne toute la gloire au siècle des siècles pour l'éternité. Et l'Église dit Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Et nous allons parler aujourd'hui de quelque chose d'important dans lequel le Saint-Esprit m'a interpellé cette semaine. Nous allons lire ensemble le livre premier de Ruth. Le livre premier de Ruth, Ruth 1 au verset 1er. La Bible nous dit, au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Naomi, et le nom de ses deux fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda, et ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, le nom de la seconde était Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans.
Manon et Kilian moururent aussi tous deux. Et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint dans la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Amen. Nous voyons là une histoire tragique. La Bible nous dit que un couple avec leurs deux fils partit de la Terre Sainte pour aller séjourner dans un pays étranger. Et la Bible me dit alors que ce couple avec ses deux enfants partit dans le pays étranger, le mari mourut et les deux fils moururent. Et la Bible nous dit qu'ils étaient partis à cause d'une seule chose. Ils étaient partis parce qu'en Israël, la Bible nous dit que c'était un temps de famine. Un temps où on ne savait pas où trouver la nourriture. Un temps où on ne savait pas où se nourrir. Et la Bible nous dit qu'en partant du pays d'Israël, en allant à Moab, ils ont trouvé peut-être le pain qu'ils voulaient. Mais la Bible nous dit qu'ils ont trouvé également la mort. Et nous pouvons voir que ces gens n'ont pas été attentifs à que Dieu pouvait toujours intervenir. Amen. Que Dieu pouvait toujours intervenir et que Dieu pouvait toujours faire un miracle. Nous allons voir un autre homme qui s'est trouvé dans la même situation similaire. Nous allons lire le livre de Genèse. Genèse 26. 26 verset 1er. La Bible nous dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première qui avait eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, si, car je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes les terres, je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai ta descendance toutes ces terres, toutes les nations de la terre se diront bénies en toi. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Isaac resta à Guérar. Nous allons continuer dans le verset 12. La Bible nous dit, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait du cheptel et du petit bétail, un nombre de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins devinrent jaloux de lui. Amen. Nous voyons là l'histoire d'un homme. Cet homme, la Bible nous dit, s'appelle Isaac, le fils d'Abraham. Et pendant sa vie sur la terre, alors qu'il était déjà dans le pays des Philistins, la Bible nous dit quelque chose se produisit. Il y eut une grande famine qui intervient. Et cette famine était terrible au point que Isaac voulait quitter, le pays des Philistins pour aller séjourner en Égypte. Parce qu'il savait que l'Égypte était un pays où il y avait le pain en abondance. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Dieu l'arrêta. Et Dieu lui dit, reste ici. Et lui dit, de la même manière que Abraham obéit quand je lui dis, reste ici. Et la Bible nous dit, Isaac obéit. Et la Bible nous dit que Isaac sema. Et à sa grande surprise, au lieu d'avoir une récolte comme la plupart des gens, la Bible nous dit, il eut une récolte au centuple. Amen. Nous sommes dans cette nation, une nation de France qui apparemment avait l'air d'être une terre stérile. Une terre qui ne produit pas de fruits. Quand nous regardons les informations, on a l'impression
que nous sommes dans un temps de famine, un temps, ce qu'on appelle les informations, un temps de crise, un temps où l'homme ne sait pas où mettre sa confiance. En l'argent, il ne peut plus mettre sa confiance. Dans les entreprises, il ne peut plus mettre leur confiance. Et beaucoup veulent partir, beaucoup veulent changer de pays, beaucoup veulent trouver peut-être ailleurs un endroit où la terre est beaucoup plus ouverte pour entendre même le message de l'évangile. Amen. Mais la Bible nous dit que voilà l'ordre de Dieu. Dieu dira, le Saint-Esprit nous demande de pouvoir rester et de pouvoir semer dans ce pays pour récolter la moisson du réveil. Amen. Le Saint-Esprit veut amener dans ce pays une dimension de réveil, une dimension d'explosion, une dimension de surabondance, une dimension de multiplication, et il veut faire cela à travers l'Église. Amen. De la même manière qu'il a interpellé Isaac, et que dans ce temps de désert, dans ce temps de famine, la Bible nous dit que Dieu a béni Isaac, et c'est Isaac qui est devenu une canal de bénédiction pour tout le pays des Philistins. La Bible nous dit que les Philistins reconnurent qu'il devient plus puissant qu'eux. Un homme est devenu plus puissant que tout un peuple. Parce que celui qui donnait l'abondance, celui qui commençait à bénir la nation, c'était Isaac. Amen. Et de la même manière que Isaac a été une bénédiction pour les Philistins dans le temps des famines, Dieu veut utiliser l'Église pour être une bénédiction en faveur des nations. Amen. Il y a une seule nation qui peut relever toutes les nations, et la nation qui est sur la terre, c'est l'Église. Il n'y a aucune autre alliance dans lesquelles les hommes peuvent s'allier en dehors de l'Église. Vous savez, quand nous regardons les Écritures et quand nous commençons à comprendre les Écritures, nous voyons que les hommes avaient toujours un rêve. Être unis tous pour faire un seul homme. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours voulu être unis tous ensemble. Mais la Bible nous dit que Dieu a toujours été contre. Parce que Dieu avait un plan, que c'est l'Église seule qui peut être unie comme un seul homme. Amen. Quand les hommes se sont levés pour construire la tour de Babel, pour élever un monument pour eux, et pour se comparer à Dieu, la Bible nous dit que Dieu est venu confondre la sagesse et confondre le langage. Dieu était celui qui a commencé à mettre ce qu'on appelle les frontières entre les peuples, pour que les peuples ne puissent se réunir qu'en un seul nom et qu'en une seule personne, Jésus-Christ. Nous pouvons voir autour de nous que le monde veut s'unir et faire ce qu'on appelle une seule nation, une seule monnaie. Mais nous voyons, quand nous regardons les informations, quand nous regardons tout ce qui se passe, que cela ne marche pas. La monnaie mondiale ne marche pas. Les alliances entre gouvernements ne fonctionnent pas. Jésus dira que ce qui précédera son retour, ce sera qu'un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Parce que Dieu ne permettra jamais que le monde puisse s'unir en dehors du nom de Jésus. Dieu ne permettra jamais ça. Il y a une seule nation qui peut unir toutes les nations, et c'est l'Église, parce qu'elle unira les nations au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que dans l'Église où il n'y a pas de barrière de race, pas de frontières, pas de frontières de dénomination, de critères, parce que l'Église de Jésus-Christ est l'Église vivante qui marche par le Saint-Esprit. Amen. Mais tout le reste du monde, tout le système du monde ne marchera pas s'il ne comprend pas que la seule clé de réussite, c'est le nom de Jésus et la personne du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous montre que Isaac avait obéi. Et que Isaac a dit, malgré que la semence a l'air dure, malgré que je n'ai pas eu beaucoup de fruits, je vais quand même semer sous l'ordre de l'Éternel. Personne n'allait semer. Les Philistins ne semaient pas, il y avait la famine. Tout le monde attendait, tout le monde essayait de partir de ce pays. Tout le monde parlait de crise. Mais la Bible nous dit, Isaac obéit à Dieu. Et dans l'obéissance, il sema. Et la Bible nous dit que la semence a produit la vie. Et au lieu de semer comme un homme peut semer, il a semé une semence qui lui a rapporté 100 semences. Amen.
Et par cette semence, par cette bénédiction que Dieu a portée sur sa semence, la Bible nous dit, il a été un canal de bénédiction pour tous les peuples. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a interpellés en début d'année. Le Saint-Esprit nous a interpellés et nous a dit, cette année est l'année de la conquête, est l'année de la guerre contre Satan. C'est une année dans laquelle nous allons reconquérir et nous allons conquérir le pays. Amen. Le peuple français était un peuple qui aimait conquérir. Était un peuple qui aimait avoir des conquêtes. Était un peuple qui aimait avoir des nations qui portent son drapeau. Amen. Et de la même manière, Dieu veut utiliser cette grâce qui demeure dans ce peuple pour que nous puissions poser la marque de Jésus-Christ sur notre pays. Amen. Le Saint-Esprit nous a dit que rien ni personne ne pourra plus attaquer l'Église à partir d'aujourd'hui. Que plus personne ne pourra s'opposer à la direction de l'Église. Parce que celui qui s'oppose à la direction de l'Église, c'est Dieu lui-même qui va le balayer. La Bible, le Saint-Esprit nous a interpellés et nous a dit jusqu'à aujourd'hui, vous étiez simplement en train d'être en entraînement. Mais maintenant que c'est le temps, il nous a dit l'année 2012 est l'année du réveil, est l'année de l'explosion, est l'année de la grâce, comme j'ai déjà pu le dire, que depuis l'année 2012, le Saint-Esprit nous interpelle et nous savons que la moisson arrive. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous interpelle à continuer à semer. Parce qu'il dit la moisson, la récolte arrive. Et selon ce que tu as semé, tu récolteras. Amen. Nous voulons semer le maximum pour l'éternité. Nous voulons préparer le retour glorieux de Jésus. Et en préparant le retour glorieux de Jésus, nous impactons le monde à travers le nom de Jésus-Christ pour le réveil. Amen. Le Saint-Esprit impacte le monde pour le réveil. Nous voyons dans toutes les nations, le Saint-Esprit commence à agir avec puissance. Le Saint-Esprit est en train de balayer les nations. Le Saint-Esprit est en train de montrer aux nations de la terre que sans Jésus, il n'y a rien. Que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et il nous interpelle à proclamer cela. À le déclarer là où nous sommes, en ce que nous faisons, à semer, parce qu'il dit, c'est moi qui va amener la récolte. Amen. Il nous demande de semer, comme Isaac sema. Dieu avait dit à Isaac de rester. Mais Dieu n'a pas dit à Isaac de semer. Isaac a dit, alors si Dieu me demande de rester, alors parce qu'il me demande de rester, je vais semer. Et la Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple. Autrement, la crise, la famine avait disparu. Il avait un impact de bénédiction, un impact de surabondance et un impact de multiplication. Amen. Dieu est celui qui amène la providence et Dieu est celui qui va amener la multiplication. Nous avons pu le voir dans les derniers dimanches que Dieu amène toujours une multiplication de ce que nous lui donnons, de ce que nous faisons pour lui. Amen. Dieu amène une multiplication. Alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, qu'ils n'avaient pas à manger, Dieu n'a jamais changé les pierres en pain. Dieu n'a jamais changé le sable en pain. Mais Dieu a fait tomber du ciel la manne. Amen. Et la Bible nous dit que quand la manne tombait, chaque personne pouvait manger. Amen. Et c'est pour cela que quand Satan est venu tenter Jésus, il lui a dit, mais ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus savait pertinemment que Dieu ne ferait jamais ça. Dieu ne ferait jamais ça. Et bien des fois, le diable vient vouloir nous influencer en nous faisant croire que Dieu va faire certaines choses, alors que Dieu est toujours dans ses règles, dans ses limites. Amen. Dieu a toujours sa façon de voir et sa façon de penser. Pendant le temps de famine, la Bible nous dit Isaac sema et il récolta au centuple. Dieu aurait pu changer toutes les pierres en pain. Isaac aurait pu prier et dire que toutes ces pierres qui sont là dans ce désert deviennent du pain. Mais il n'a pas fait cela.
Il a planté et cela est devenu une semence qui a rapporté 100 fois plus. Amen. C'est pour cela que nous devons saisir cette réalité. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois dans le thème que j'ai fait, les rêves du diable et l'homme de vision, un homme de vision verra toujours la réalité en face, mais marchera avec la foi qui déplace les montagnes. Amen. Les rêves du diable sont des rêves imaginaires. Et les esprits méchants viennent dans l'être humain lui apporter toujours des rêves imaginaires. Nous avons vu ensemble l'histoire de cette femme qui vivait dans son foyer et qui n'arrivait pas à vivre correctement. Et bien qu'elle était remplie du Saint-Esprit, bien qu'elle avait reçu vraiment la nouvelle naissance, cette histoire nous relate que cette femme n'était pas bien. Et cette prédicatrice, un jour, l'a pris à part et m'a dit, mais que se passe-t-il? Comment se fait-il que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu ne vas pas bien? Et le Saint-Esprit commence à mettre la lumière sur sa vie. Et elle dit, tu vois, moi dans mon cœur, j'ai toujours eu rêvé de voir mon mari comme un prince charmant, qui rentre du travail, qui m'offre des roses, qui s'occupe de moi. Et la réalité était tout autre. La réalité, c'était son mari qui rentrait, qui était, je crois, mécanicien. Il rentrait sale, fatigué. Et que la seule chose qu'il faisait, il allait se doucher, il allait dormir. Et cette histoire, la femme nous dit, quand mon mari fait comme ça, je commence à le prendre en mépris. Et cette prédicatrice dira, on a trouvé son problème. C'est que c'était le diable, les esprits méchants, qui m'ont infligé un mauvais rêve. Amen. Il y a beaucoup de mauvais rêves que nous pouvons nourrir. Des façons de voir la vie que nous pouvons nourrir. Des façons que la télé peut nous proposer, les histoires de la vie. Quand nous regardons la télé, nous voyons des histoires de familles parfaites, de personnes parfaites, de couples parfaits, d'amis parfaits. Et si nous commençons à envier ces choses, alors le diable dépose sa graine, le diable dépose sa semence d'un rêve qui apparemment a l'air joli, apparemment a l'air de nous faire du bien, mais qui dans quelques années va nous atteindre et va nous détruire. Ce même rêve, voilà ce qui commence à détruire les croyants de l'Église. Et le diable s'en fout que tu aies une grande foi, il s'en fout que tu aies né de nouveau, mais s'il peut te mettre un petit rêve qui va commencer à détruire ta vie, alors il va mettre cette petite semence qui commence à détruire la vie de l'individu. Et les gens commencent à nourrir ces rêves. Et quand la situation n'arrive pas comme le rêve lui dit, alors il y a une culpabilité, un dégoût, et qui commence à se mettre, et le diable commence à détruire la foi. Amen. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions voir nos vies. Nous pouvons voir que des divorces sont nés comme ça, des séparations, des choses affreuses et abominables ont pu se produire comme ça. Parce que les esprits méchants amènent seulement des rêves aux gens. Amen. Mais de la même manière, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient amener une vision. La vision est tout autre qu'un rêve. Parce que la vision nous amène à l'espoir là où dans la réalité il n'y a pas d'espoir. La vision nous amène un renouveau de marche, un encouragement qui va nous encourager et nous booster parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Voilà la différence entre la foi et le mensonge que le diable veut venir accomplir. Naomi et son mari avaient eu un rêve. Avaient eu un rêve que dans le pays de Moab, ils seraient bien. Dans ce rêve où il n'y aurait plus de famille. Où il ne manquerait de rien. Et la Bible nous dit que l'histoire dramatique, c'est que son mari fut mort. Ses deux fils, après qu'ils se mariés, furent morts également. Et la Bible nous dit alors que cette histoire avait eu lieu, Naomi entendu que l'Éternel est intervenu en faveur d'Israël. Et la Bible, quand nous lisons cette histoire, nous voyons que Naomi est retournée
dans son pays. Amen. Naomi est retournée. Mais si nous avons bien compris l'histoire, Naomi aurait pu rester et semer et devenir eux-mêmes des canaux de bénédiction. Parce que la Bible nous montre que Elimelech était de la tribu des Éphratiens. Et c'était qui les Éphratiens? C'était les descendants d'Éphraïm. Éphraïm qui était un des fils de Joseph. Et Éphraïm veut dire celui qui multiplie. La Bible nous montre, la Bible nous relate cette histoire dramatique parce que Elimelech, le mari de Naomi, était destiné à amener la bénédiction en Israël. Il était destiné à amener cette bénédiction. Mais la Bible nous montre qu'au lieu qu'il planta, au lieu qu'il multiplia comme Isaac l'avait fait, la Bible nous dit qu'il fuit pour Moab, et quand il fuit pour Moab, il y trouva la mort. Amen. Nous devons comprendre cette histoire, c'est pour cela que la Bible nous la relate. Pour nous faire comprendre que cet homme avait la capacité, que Dieu avait choisi cet homme pour amener la multiplication. De la même manière qu'il avait dit à Isaac, reste. Et nous voulons proclamer dans ce pays, continuer à proclamer le réveil dans ce pays. Et nous voulons continuer la guerre contre Satan. Satan a voulu s'élever dans ce pays, mais la Bible nous dit que nous devons l'écraser dans le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il n'a aucune autorité sur l'Église. Il a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Ni l'occultisme, ni la magie. Tout ce que le diable voudra faire sera nul et sans effet. Amen. Le diable n'a aucune puissance. Par contre, il va essayer d'amener dans la vie des croyants des mauvais rêves pour le détruire. Il savait qu'il n'avait aucune puissance contre Jésus. Mais il lui a dit, si tu te prosternes, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Il voulait commencer à faire rêver Jésus. Il lui a dit, il savait qu'il avait faim. Il lui dit, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Il l'a amené en haut du temple. Et il lui a dit, jette-toi du temple et ordonne à tes anges de venir te chercher. Le diable a commencé à vouloir faire rêver Jésus. Mais Jésus, qui était Dieu, rempli du discernement de l'Esprit, lui a répondu et a refusé ces choses. Et j'aimerais vous dire que le diable viendra toujours essayer d'amener des rêves dans nos vies, dans nos cœurs. Mais c'est à nous d'avoir le discernement de l'Esprit et de savoir d'où vient ce rêve. D'où vient ce rêve? Qu'est-ce que ce rêve que je commence à nourrir dans ma vie? Qu'est-ce que je nourris dans ma vie comme rêve? Quels sont mes désirs que je nourris? Il y a des rêves qui ont l'apparence d'être très bien, d'être super. Mais ce sont des rêves des esprits méchants et la Bible nous montre que ces rêves détruisent. Détruisent. Ces rêves ont détruit Samson, un homme d'onction et de puissance, qui avait toute une autorité. Et que Dieu avait destiné à être juge. La Bible nous dit que malgré cela, il a eu des rêves. Lui, c'était le rêve des femmes. D'avoir la femme la plus parfaite. Et il a trouvé la prostituée Dalila. Et pour lui, elle semblait lui convenir, lui apporter tout ce dont il pensait que c'est bon pour lui. Mais nous avons vu que la fin tragique de Samson est que la première des choses, quand le diable l'a eu, il crève les yeux. C'est-à-dire la première des choses que le diable fait quand il commence à injecter un rêve mauvais, quand il commence à t'avoir lié, il te crève les yeux, ou en autre terme, il t'enlève la foi. Il te rase la tête. Et il t'enferme dans les profondeurs.
Donc nous devons comprendre cela. Et chaque jour de nos vies, nous pouvons voir là où le diable vient mettre un rêve. Amen. Comme je l'ai dit, on peut regarder un film et tout d'un coup, le film nous touche profondément. On dirait que c'est un beau film. Ça nous touche. Ça nous impacte. C'est une histoire qui nous fait quelque chose. Mais regardons bien, relatons bien l'histoire du film et regardons qu'est-ce qui nous touche pour savoir qui veut venir injecter du poison dans nos vies. Amen. Je ne dis pas que tous les films sont mauvais, mais je dis que beaucoup de choses sont injectées pour que l'être humain soit déstabilisé. Amen. Donc, nous allons prier. J'ai fini mon message pour aujourd'hui. Et nous allons chacun devant Dieu. Chacun laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Là où peut-être le diable est venu par la peur. Là où peut-être le diable est venu par un rêve. Là où peut-être il y a une... Le diable est venu par un poison pour détruire ta vie. Vous aussi qui êtes, qui nous suivez, qui suivez cette vidéo par le biais d'Internet, que Jésus était sur la terre tenté de la même manière que nous, mais il ne commit aucun péché, parce qu'il savait discerner là où le diable commençait à mettre le poison dans les cœurs. Il était un homme de la même nature que nous, mais il ne pécha point, parce qu'il avait compris. Et bien des fois, nous tombons, nous péchons, parce que nous ne comprenons pas les ruses du diable. Aujourd'hui, prions ensemble. Saint-Esprit, je te remercie, je te rends grâce pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois là où il y a eu des rêves mauvais que le diable est venu amener, des poisons que le diable est venu déposer dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, comme Élimélec, cet homme, Seigneur, que tu avais destiné pour amener la multiplication, Seigneur, et qui avait été menti par Satan le diable, par les mauvais esprits, et qui a trouvé la mort en Moab. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous ne trouvons pas la mort comme cet homme, mais qu'en cet instant, tu commences à toucher les cœurs, tu commences à toucher les vies, pour que le poison du diable, les rêves des esprits méchants maintenant, s'arrêtent et soient dévoilés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité sur tout esprit méchant maintenant, sur tout rêve des ténèbres maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je commande terre des vies maintenant. Terre maintenant des vies, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'entends que là où le rêve a commencé à détruire, que là où le rêve a commencé à détruire, Seigneur, j'ordonne maintenant l'arrêt dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame un cercle de la puissance du sang de l'agneau. Et Seigneur, là où les esprits méchants voulaient venir agir, maintenant je proclame, Seigneur, dehors de ce cercle. Dehors de ce cercle. Dans le nom de Jésus. Et Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci que tu touches en cet instant. Merci pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Là où, Seigneur, l'église peut-être était aveugle, Seigneur. Les églises étaient peut-être aveugles par rapport à ce qui se passe dans les mondes. Par rapport à ce qui se passe dans les nations, Seigneur. Que maintenant, il y a l'ouverture des yeux, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la vie. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui touches maintenant, qui touches maintenant, qui touches maintenant. Je réprime tous ces œuvres de violence maintenant, tous ces œuvres de violence maintenant, dans ces œuvres de violence qui se passent dans le monde, Seigneur. Et je proclame, Seigneur, ta grandeur et ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, c'est toi qui amènes ta bénédiction, ta grâce et ta surabondance. Seigneur, c'est toi qui amènes la multiplication.
Et Seigneur, que chaque semence, que ce soit par, peu importe le moyen, Seigneur, qu'on a de semer, Seigneur, que ce soit peut-être par notre temps, que ce soit peut-être, Seigneur, par le témoignage, par, Seigneur, les offrandes, par, Seigneur, tout ce que nous pourrons faire pour toi, Seigneur. Seigneur, je proclame qu'il y a une multiplication, Seigneur. Une multiplication pour que l'Église puisse amener ce pays en dehors de sa crise. Pour que l'Église puisse amener ce pays en dehors, Seigneur, des problèmes. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.